Salut! Ouais, je voulais vous parler d'un truc, mais. Ah oui! Des cauchemars! Des cauchemars! Mais pas des cauchemars! Des cauchemars plutôt angoissants! J'suis con? J'suis con quoi! Ah, des rêves, c'est plutôt flippant, ça fait pas rire quoi! Enfin, il y en a peut-être, peut-être, qui rigolent pendant leurs cauchemars, genre. Excellent, je me fais bouffer, j'adore. J'adore quand je me fais bouffer. Ça serait plutôt con, non? Je dis ça ou je dis rien. Bon, moi j'ai fait un cauchemar l'autre jour. Ouais, je raconte ma vie. Et alors? Et alors? Donc j'ai fait un cauchemar et dans mon cauchemar, je n'avais plus de. De zizi en fait. Bon, c'est pas marrant. Mais j'avais plus de zizi et tout. Et moi, comme il m'arrive toujours des couilles, des emmerdes partout, 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 je me suis dit. Non. Et là, si. Une fille qui arrive vers moi et qui me dit. Genre la belle fille, hein, la biote qui me fait. Hello. Ça va? Ouais. Ouais, tranquille. Et toi? Moi, ça va. Et là, voilà le moment de merde décisif. Je dis bien de merde dans mon cas maintenant. Elle me propose de faire crac-crac. Moi, je dis non, non, je suis vraiment confus. Je ne peux pas me reproduire corps à corps avec toi. Je suis TPD. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis pas PD. En fait, j'ai mes règles. Oui, j'ai mes règles. Quoi? On s'appelle? Oh. Ok, bisous. Donc je me barre en courant. Et là, j'arrive dans une rue, mais vachement glauque. Trop peur. Et puis moi, il m'arrive toujours des. J'ai toujours des toilettes dans mon cauchemar. Mais des toilettes sublimes, 4 étoiles. Le Wee Pingin Palace. Wee Kin Bin Din Palace. Par le truc en anglais. Bon, des jolies toilettes en fait. Pas besoin de préciser. Et là, je baisse mon pantalon. Et là, pff, je fais caca direct. Parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai la chiasse, quoi. Pourquoi j'ai peur? Je ne sais pas. Je cours, claque, je me fais caca dessus. Et là, quand je baisse mon slip. Oh mon Dieu. Mon Dieu. J'ai découvert que j'avais un zizi aussi grand qu'une couleuvre. Genre comme ça, le machin, tu vois. Donc là, je me dépêche de remplir le trône. Et là, je cours, hein, tu vois, je m'habille en courant tout ça, rien à foutre de la vie, hop, yeah! Donc, je cours jusqu'à l'hôtel pour voir la fille et tout. Et là, dans mon rêve, j'entends. Debout! Debout! Il faut te lever, mon sucre d'orge. Il y a l'école. Debout! La honte. La honte. Donc, je me prépare, je vais au bus, tout ça, et là, je vois mon copain. Enfin, mon pote, hein, pas mon. Et je lui dis, tu sais quoi, man, j'ai fait un cauchemar. Ah, bah vas-y, raconte. Ok. Donc, dans mon cauchemar, j'ai plus de zizi. Pas marrant, d'accord? Plus de zizi. Je rencontre une belle fille, je repars d'un an, de dos, hein, parce que de face, j'ai pas réussi à la voir. Donc, on me parle, on me discute, elle me chauffe, on me propose de faire crac-crac. Mais moi, je peux pas, j'ai plus de zizi. Donc, je cours. Je fais caca, un bordel monstrueux, je te jure. T'aurais dû voir ça. Donc je fais caca, tout ça, puis à un moment je m'aperçois que j'ai un zizi énorme. Donc je me rhabille, je cours, je vais voir la meuf et tout, puis là je me réveille, tranquille. Et là, la réaction de mon pote, une réaction qui m'énerve. Il balance à tout le monde, au bus. Eximilamo, la prof d'histoire et tout. Franchement. Donc je rentre chez moi, sous la pluie, seul, ma vie c'est foutu, quoi. Donc je me recouche, et là, bim, le même cauchemar. Putain, trop cruel, quoi. Donc, après un mois d'absence, je retourne à l'école, normal, mais parce qu'en fait j'avais peur de la prof d'histoire, je voulais pas y aller, j'avais peur, peur d'une femme, petite taille, tu vois le truc?
Tu vois le truc? Donc, le dimanche, mon pote il m'appelle, il fait ouais, lundi matin, on a cours d'histoire toute la journée. Bonne chance. Donc moi, je lui réponds gentiment, posé, ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. Et je raccroche. C'est pas marrant, hein. Mais je sais. Donc je lui dis ferme ta gueule. Donc là je raccroche. Et là j'arrive au bahut. Mais attention, tous les gens ils me regardent genre Scarface. Moi j'appelle ça Scarface parce que voilà quoi. En fait les gens ils me regardent genre. Donc moi, un petit peu peur de me faire taper dessus, tu vois. Je cours dans la salle de classe avant tout le monde. Je m'installe, je sors toutes mes affaires, genre le mec modèle que j'ai jamais été de ma vie en fait. Je te jure. Donc là, les cours se font, hop hop, se font, se finissent. Trop fort. Et là, allez, 5-10 minutes avant que la sonnerie, la prof me regarde et me dit alors Maxime, comme ça on a des envies sur moi? Alors, petit chenapan. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu avais envie de moi. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu te touchais sur moi. C'est quelqu'un qui m'a dit. Donc moi j'ai entendu ça, je me suis barré direct. J'ai pas pris mes cours, ni mes devoirs et tout. Je me suis... Ah, je suis parti. Ah oui, les devoirs. Moi, ouais, les devoirs, j'ai oublié. Mais bon, les devoirs, le truc que je déteste au monde en fait. Dès que j'ai entendu le mot, vous allez avoir des devoirs. J'ai attrapé des boutons, je te jure. Énorme, les machins, ils étaient comme ça, comme mon pouce en fait, tu vois. Tout blanc, tout. Franchement, dégueulasse. Mais il y a toujours des groupes dans la classe. Genre, vous allez avoir des devoirs. Oh oui, monsieur. J'adore les devoirs avec vous, c'est très facile. Fuck you. Après, il y en a qui font genre. Oh non, vous allez avoir des devoirs. Oh non. M'en fous. J'ai tout compris. Connard. Il y a des gens comme moi, enfin plutôt. Moi tout seul. Tout seul dans ce cas-là. Vous allez voir des devoirs. Oh non, pas des devoirs. J'ai rien compris, quoi. J'ai pas. Le prof qui est toujours. Réclame un truc, il dit, il proclame. Mais si, tu vas y arriver, c'est très facile, je te le garantis. Effectivement, j'ai rien compris. Donc, faut pas se leurrer, mes devoirs, je les ferai pas. Moi, je m'instruis grâce aux pubs. Eh oui. Non, je déconne, pas les pubs. Les pubs, franchement. Les pubs, quoi. Les pubs. Pas un truc vraiment con pour nous faire perdre du temps, ça? Eh bah si, c'est vraiment de la merde en fait. À cause des pubs, moi je suis déjà arrivé en retard au bus pour aller au collège et tout. Ça m'est arrivé franchement. En fait, les pubs, elles t'absorbent. Elles t'absorbent. Elles t'envoient des messages subliminaux pour que tu regardes en fait. Mais il y a même des pubs des fois, je fais même pas attention. Comme ça devant la télé, t'entends des pubs. Ok, c'est Colgate quoi. Il y a des pubs qui m'énervent franchement le plus. C'est les pubs qu'on a à 2h40 du matin sur TMC ou la NT1. Ah non, c'est parce que. Non, c'est pas ce que vous croyez. Non, je ne suis pas un adepte de films. Olé olé. C'est parce qu'en fait, à cette heure-là, il y a les filles d'à côté en fait. Ouais, les filles d'à côté, moi j'adore. Mais il y a surtout un acteur que j'adore dedans. C'est Gérard. Gérard Vivès, franchement. J'adore ce type. Pépin, ouais. Fin de la parenthèse. Donc, les pubs dont je vous parlais. C'est des pubs genre. Tu cherches un plan cul? Oh, ouais, cul. Mais attention, ils écrivent pas cul. C'est UL. Ils écrivent cul. Juste cul. Cul de l'alphabet en fait.
Les fautes d'orthographe, putain de merde. C'est pas compliqué d'écrire CUL. Franchement, les feignants, quoi, les feignants. Imagine le président. Bon, on va faire une pub sur le cul. On va claquer un gros cul de la famille dans la pub, ok? Alors l'autre, imagine le mec un peu gogol. Pourquoi on met pas une image de cul? Hop, 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 Jean-Pascal. On arrête. Ça nous coûte trop cher. On met juste le cul, d'accord? Et basta. Yeah, on fait du marketing. N'importe quoi. Franchement. Ou même une auto hasard. Tu veux faire tout un tas de choses avec tout un tas de personnes? Envoie TTFA au 6969. C'est chaud. Ouais, parce qu'en fait, les femmes qui font ces pubs-là, c'est des bombasses. Mais derrière, ce sont des tons avec une tête genre. Tu veux m'épouser? Non. Donc en vrai, TTFA, pour eux, les marketingers, là, les gens qui font ça veut dire tigresse, téton, phalange, anal. Non, 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 messieurs, dames, mes enfants. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, tu t'es fait arnaquer. Tout simplement. Tout simplement, franchement, c'est pas. Donc, moi, toutes ces pubs qui m'exaspèrent phénoménalement, je zappe. Je cherche même pas à comprendre. Je zappe. Mais malheureusement, ma main heurte la touche 5 de la télécommande France 5. Je tombe sur une émission vraiment déprimante, à me couper les veines. Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit. Franchement, des gens qui lisent un livre de 400 pages pendant 3 heures. Franchement, chapeau. Même les mecs, des fois, ils s'en mêlent dans leurs mots, genre, eh oui, Nemo sorta du lac. C'est très chaud, je suis fatigué. Mais ferme ta gueule, sérieux. Lis pas. C'est vraiment plus, c'est vraiment de la merde. Donc, il y en a, ils kiffent, hein, sérieux. Il y en a, ils kiffent. L'autre, il regarde ça, il met son réveil 3h40 du matin. Il prépare sa tasse, sa thermo, son petit gâteau, clac-clac, une petite couette devant la télé, et là, il mate ça, le mec. Hop, il est comme ça, tranquille, assis, puis à un moment, sa femme, elle se lève vers 4 et 5 heures du matin, elle se lève vers 6, 7 heures, je sais pas, hein. Je sais pas, on dit ça, on dit ça, on dit ça, on dit rien, on sait pas, nous, hein. Donc sa femme, elle se lève, et là, le mec, il est déjà, il est un peu vénère, énervé, quoi, le mec, il fait, parce qu'en fait, il y a une pub, il est perdu dans l'histoire, il sait même pas pourquoi, en fait, il s'est levé pour regarder ça. Le mec, il a plus de café ni rien, le mec, il est vénère total, quoi. Il a plus de cigarette, plus rien, le mec, trop vénère, tu vois. Prêt à péter un câble. Sa femme, elle a fait, oh, je sais rien. Pourquoi des devoirs cette heure? Si, hein. Quand la femme a dit cette phrase, l'émission a repris. Et dans l'émission, la personne qui lit l'histoire a dévoilé un truc très important qui veut dire, qui veut tout avouer dans l'histoire, en fait, qui veut tout dire. Tout simplement. Donc la meuf a dit cette phrase-là et le mec il trop vénère, il fait ferme ta gueule, ferme ta gueule. Là, j'ai pas pu suivre. Déjà, j'étais perdu, j'ai pas su la fin. Ok. Tu m'as mis qu'est-ce que je vais raconter au bureau maintenant? J'ai plus d'histoire. Vas-y, je vais me coucher. Je vais faire un rêve, peut-être que je pourrais raconter. Et là, sa femme, non, 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 non. Non, non, là il est exactement 7h, tu dois aller au bureau. Oh non, pas le bureau, qu'est-ce que je vais raconter? Non, pas de bureau. Salut! Moi, c'était un petit sketch de Maxime Leclerc, en fait, le. Moi. Moi, tout simplement. Maxime Leclerc. Maxime Leclerc, tout le monde me disait quand j'étais à l'école primaire, hey « Eh Leclerc, tu travailles à Leclerc? Ton père c'est Carrefour ou c'est Auchan? » Lol. Donc, n'importe quoi. Moi je dis, merci de m'avoir écouté.